Ah là 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 là, mais as-tu fini? Il faut que je fasse mon intro, moi! Arrête de me bombarder, la chetron! Hein? Et en plus de ça, tu devrais voir qu'il y a quelque chose qui t'empêche de m'atteindre! Hein? Ah là là, je te jure, l'IA des fois, c'est, voilà, ça vole pas très haut. Et donc, bonjour, bonsoir, bienvenue les potos et les potesses pour une nouvelle vidéo de Hakimbot sur Series X. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un jeu que je vous avais présenté il y a deux petits mois. C'était via la version Steam, via la démo qui nous avait proposé le début de l'aventure. Et là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va reprendre, non pas là où on s'était arrêté parce que c'était un combat de boss, là on est juste avant, donc là on va se coltiner un combat de boss dans pas très longtemps, et ensuite ce sera de la découverte totale et on verra ce qui va se passer, où c'est qu'on va aller, que va-t-il arriver à notre duo, parce que oui, aussi ce que j'ai pas dit, c'est un jeu d'action-aventure, édité par Playon, développé par Evil Raptor, un studio français. Il est sorti fin août sur PC, PS5 et Xbox Series pour un prix de 20€. Et la chose qui est vraiment bien déjà, c'est qu'on a une ambiance hyper bien foutue où il n'y a que des robots, mais des robots au design assez rétro loufoque. Vous allez voir un petit peu au fur et à mesure. Où là on incarne Exe, hein, qui est le petit gars qui est là. Exe, un hors-la-loi, accompagné de son acolyte Chipset, une espèce d'IA déviante, hein, donc en fait vous regarderez ce que j'avais fait il y a deux mois, vous regarderez le premier épisode, la démo, enfin je sais pas comment je l'avais nommé, et comme ça vous saurez un petit peu comment tout ça a débuté. Et donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'extraire de là. J'en ai marre de l'entendre me bombarder. Alors, hop, on se dépoche, on se dépoche, et voilà. Et vous allez voir que le style graphique est vraiment très très chouette. On a une VF aux petits oignons. Avec là un méchant qui parle un peu, vas-y, comment tu t'appelles toi? Je vais te manger tout cru avec mes panzani. Bref. Et pareil, le duo, il est vraiment sympatoche, parce qu'en fait, ils sont tous les deux, mais forcés d'être comme ça, pour essayer de se barrer de cette maudite planète. Ah, ok. Sortez de votre cachette, vous n'avez aucune chance. Ah, vous avez entendu? Bon, par contre, là, j'ai en train de me dépêcher. C'est super. On récupère de la vie. Donc, ouais, ma vie, c'est en haut de l'écran. Vous avez également mon arme spéciale qui est différente de la démo. Dans la démo, j'avais pris une espèce de fusil à pompe. Là, j'ai pris deux flingues en akimbo. Voilà, Hakimbot, akimbo, voilà, ça se ressemble. Il y a juste le T qui change. Et puis voilà, c'est tout en fait. Hein. On a le double saut, on peut faire des dashs et tout. Je suis armé d'un gun. C'est pas bien quoi, ça se passe très bien. Fuyez tant que vous voulez, et vous retrouverez. Et là. Ok, super. Où est the end of this level? Allez, on se dépêche. Et le truc qui était trop bien, c'est que quand tu finissais la démo, t'avais tellement envie de continuer. Et donc là, ça fait quelques jours que je l'ai. Est-ce que ça va faire le bug? Ouais. Alors, il y a un truc sur PC, j'avais pas ça, mais quand je tire là-dessus, ça fait des micro-freezes. C'est incroyable. Allez, où dois-je tirer d'ici? Mais ouais, moi j'avais vu le trailer, ça m'avait vachement emballé avec son côté Ratchet & Clank. L'univers aussi m'avait pas mal enjaillé, les répliques, l'esprit de camaraderie qui commence à se faire ressentir au fur et à mesure où on avance. Bref, en vrai, à la fin de la démo, regardez-la, j'étais vraiment très très ravi de mon expérience. Ouais. Donc ça y est, là on va pouvoir y aller.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'avais fait la démo, tiens, sur PC. Là, je me suis dit, vas-y, on va le prendre sur console. Comme ça, éventuellement, pourquoi pas le continuer en live. Moi, les streams, hein, je les préfère via des versions console que via des versions PC, comme je l'avais déjà dit. D'ailleurs, en parlant de streamou, tout dépendra un petit peu de mon temps libre, hein, mais on a également la suite de Astrobot. Astrobot, Akimbot. Décidément, il y a beaucoup de bots en ce moment. J'espère que vous n'avez rien contre les bots. Et je ne parle pas des bots qu'on met au pied. Hein. Humour, humour, quand tu nous tiens. Ah, c'est ici. Super. Est-ce que je vais y arriver du premier coup? Attention. Vous voilà. Il faut jamais déléguer à des crétins le boulot du parrain. Je vais vous arracher les circuits. Ma, tu peux toujours essayer, mais tu vas voir. Je vais te foutre à la casserole. Thermostat 200. C'est lui leur chef. Et en 3 minutes, voilà, tu seras al dente. Ferme-la. De la mer. J'essaie de me concentrer. Chopez-les, les gars. Ma, allez-y, essayez. Qui tente rien n'a rien. Hé hey. D'accord. Oh là là, il y a une jauge à faire gaffe quand tu tires. On va faire des petits dashs parce que sinon je vais perdre beaucoup trop de vie. Ah, quoique, il y a de la vie là, ok. On continue. Ah, tu es de retour, Robot Glioni. Les robots Glioni sont invincibles. Aïe. On esquive, on esquive, on esquive, on esquive, on esquive. Et là, on shoot, on réplique. On lui en fout plein, on lâche trop. Je sais pas faire, XZ. Mais qui suis-je, j'y vais. Ok, pigé. Bon, je vais peut-être pas faire ça pendant 40 ans. Même pas! Ah merde! Je vais y arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Ce soir, y boirez votre huile à même ce soir, nous allons danser. Sans chemise, sans pantalon. Meurs. Ah non, ils ont réapparu. Non. C'est pas juste. Ok. On va attendre que ça se recharge. Ça. Il est bientôt mort, il est bientôt mort. Votre mort ne sera que plus douloureuse. Manquez non. Il y aurait votre chrome pour ça. Aïe. Ça y est. Mon ticket pour quitter cette planète de cinglés. Notre accord tient plus, Chipset. Allez, adieu. Oh, arrête! On fait une bonne équipe, non? Imagine un peu toutes les aventures que l'univers nous réserve. Toi et moi, Exé, deux héros, prêts à entrer dans la légende. On se souviendra de nous comme de... Ma, que vont-ils devenir? La suite dès maintenant.
C'est vous, Exé? Rendez-vous au point Echo si vous voulez quitter cette planète en vie. L'ambassadeur vous attend là-bas. Un soldat de l'algorithme. Que faites-vous ici? Data Bay est attaquée. L'ambassadeur souhaite que vous nous aidiez à affronter la menace. Rendez-vous au point Echo. Nous vous ouvrirons la voie. Et pourquoi j'obéirai, au juste? Faites ce que vous voulez. Mais à ce rythme, Data Bay sera bientôt rasé. Et le point Echo est le seul site d'extraction. Oh, d'accord. Si l'ambassadeur veut me voir, il me verra. Ah ouais... Alors, comment ça se fait? On a dérivé, non? Comment ça se passe? En tout cas, on a une ambiance qui change bien... Et pourquoi l'algorithme aurait besoin de ton aide? Et qui est? Oh, arrête avec tes questions. J'en sais pas plus que toi. Dis, ça vibrote, hein. Oh, je le traverse! Je suis un robot fantôme! Mais non! J'étais si jeune! Qu'est-ce que t'étais en train de faire? Je ne sais pas. Ah, ils me font... Le garde à vous est de loin, on dirait des... Master Chief. Hey, John! Spartan 117! Au rapport! Mais ouais, mais c'est trop ça! Je sais pas si c'est intentionnel. Bon, je regarde hein, s'il n'y a pas des trucs à récupérer, parce qu'il y a des trucs à récupérer. Notamment des petites notes. Bien rigolotes. Parce que vous l'avez peut-être déjà remarqué ou pas, hein, mais ce jeu est très rigolo. Il a un côté déjanté, un côté décomplexé qui fait bien plaisir. Non, je n'ai pas spécialement besoin de toi. Bon, hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ok. Les petites orbes hein, bleutées qu'on peut récupérer en tapant sur les caisses, ça permet d'améliorer notre perso, notamment au niveau des armes. Donc là, schlac. Tu me suis ou quoi? Je te l'ai dit, notre accord tient plus. J'ignore qui sont ces types, mais ils sont pas là pour rigoler. Tu vas m'aider à me barrer d'ici. Courez, pauvre fou! Ok, ça le fait. Non, je n'ai pas besoin. Je suis à 100%. Ça, par contre, j'en ai besoin. Je suis à 423, d'accord. Par contre, là, comment tu veux que je fasse? Passe par-dessus, tout à fait. Mais vraiment, j'ai un bon feeling avec ce jeu. Et on est gâté, hein. On est vraiment gâté. Il y a un jeu que j'ai pas encore, que je voudrais trop posséder, c'est Warhammer 40 000 Space Marine 2. J'espère l'avoir dans les jours qui viennent. Mais c'est vrai qu'on est gâté. Hein. Et bientôt, la semaine prochaine d'ailleurs, ouais. Excusez-moi. La semaine prochaine, on aura le remake, le remaster Dead Rising. Je dis le remake hein, parce que franchement, il a plus, comment je pourrais dire, l'âme d'un remake qu'un simple remaster. Comment je fais maintenant? Oh, bien! Super, hop là! Je passe! Courez les gens, hein, courez hein. Mettez-vous à l'abri! N'écoutez pas ce qu'on pourrait vous dire. Comme dans Mars Attack. Quand t'as les aliens hein, qui défouraillent à tout va dans les rues de Las Vegas. Et t'as... comment je pourrais dire... une voix alien qui fait « Ne courez pas, nous sommes vos amis. » Bah là c'est pareil. Hein. Si vous entendez ça, c'est que c'est des conneries. Faut courir. Hop là. Par où je vais passer? La vie, c'est pas la peine. Ah ouais, d'accord, ok. C'est bon, j'ai vu. N'oublions pas ça. Super.
Et YOLO! On est passé! Derrière moi, que dalle. Oula! C'est qui ces déboulonnés? Je les ai encore jamais vus! Aucune idée. Je compte pas me laisser faire. J'aime pas ça. Où tu es? Ouais, y a un de mort. Ouais, mais ça part tellement vite au niveau de la vie. Doucement, doucement, doucement. Oh, je me suis foutu en plein dedans. Oh, la nouille. Oula, c'est pas grave. C'est qui ces déboulonnés? Je les ai encore jamais vus. Aucune idée. Je compte pas me laisser faire. Il y a de la vie là, ok. J'ai pas fait gaffe. 3, 2, 1... Voilà. Remplis ma jauge. Merci. Ils sont combien? Deux, j'ai l'impression. Ouais, mince. Mais quoi? Alors il faut savoir aussi que on peut activer l'aide à la visée, mais moi je l'ai désactivée, c'est pour ça que je galère un peu à viser. Oh, petit ralenti. Why? C'est des robots requins. On est poursuivi par un banc de poissons. Oui, mais comment je pourrais dire des robots. Des requins robots. Je vais y arriver. Je voulais dire un truc, j'ai perdu ma phrase. C'est dur, hein, le métier de youtubeur. Hein. Des fois, il vous arrive de perdre la tête en pleine VOD. Et comme c'est comme ça, t'as intérêt de bien savoir rebondir. Piratage. Alors, là, hop, on va là. Schlick, schlack et schlouk. Ça, c'est pour changer la caméra à l'épaule. L'ambassadeur? Qu'est-ce que le robot le plus puissant de tout l'algorithme peut bien tout vouloir à toi? J'en sais rien, mais je dois occuper une place de choix dans leur liste de robots recherchés. Hey, mais moi aussi! Enfin, je suppose. Mais quand même, qu'est-ce qui te vaut une invitation personnelle? En tous les cas, je peux pas vraiment refuser. Super. Ok, ok, doucement, et voilà. Repiratage, encore du Snake. Dis, c'est quoi ce gros truc là-bas? On dirait une sorte d'hologramme. On va pas tarder à le découvrir. Doucement, 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 doucement. Ah là là, encore ces maudits requins robotiques. Ou ces requins robotisés, on peut dire ça aussi. Et ça fait mal.
punaise. Mais... Je vais la réactiver, hein, l'aide à la visée. Oh, puis on reprend là, c'est super, magnifique. Mais quoi? Ah oui, c'est parce que... Oh, bon, ça va, là. J'ai quand même réussi à me tromper, hein. Mais, trop de mal à viser, quoi. Si j'avais eu l'aide, peut-être que... Dis, c'est quoi ce gros truc, là-bas? On dirait une sorte d'hologramme. On va pas tarder à le découvrir. Ah, mince. Ok. Évitons d'aller dans la flotte, hein, parce que la flotte égale bobo. On est planqué. Un en moins. Il est où? C'est moi, ils sont en train de se faire... Mais oui! Ha ha ha! Niqué par leurs propres appareils. On peut continuer. Oh là là, quel con! Doucement, hop, 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 hop. On se fait pilonner, mon gars. Eh, c'est plutôt stylé, quand même, hein. J'aime bien ce genre de séquence, et en plus de ça, même si le jeu n'est pas non plus un canon de beauté d'un point de vue technique, ça n'empêche pas qu'il a de beaux effets, de belles couleurs. Moi, j'aime beaucoup. Je suis un pacifiste. Est-ce qu'on peut discuter? Je pense pas qu'ils sont là pour discuter, hein. Et maintenant, on va se taper que des ralentis. On passe. On passe, on n'a pas le choix. D'accord, mais quand on joue à armes égales, pas avec des rayons mortels. Ben oui, je suis d'accord avec lui. On n'est pas toujours d'accord tous les deux, mais pour le coup, là, je j'acquiesce à 300%. Mince, à chaque fois j'ai envie de courir en appuyant sur le stick de gauche, mais en fait c'est juste pour bouger la caméra à l'épaule. Hop, hop, et hop! Mais allez-y, allez-y! Continuez à nous foutre tout un tas de tirs dans la gueule, on passera au travers! Parce que nous, on est comme ça, on est des balèzes! Waouh, j'ai eu chaud! Personne ne peut nous stopper! On est inarrêtable! Pourquoi? Bah parce que je vous le dis, tout simplement! Super. Ouais, là, non. Besoin d'une crosse à selfie pour immortaliser vos exploits? Ça ne vous coûtera que la moitié de vos économies. Vous êtes là pour acheter ou pour nous encrasser? Ne les écoutez pas. Laissez-moi plutôt améliorer votre arme. Mais oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, je vais vous acheter un nanoturbine. Voilà, c'est tout. À la prochaine. Ça, c'est vraiment l'arme que j'avais pris dans la démo. Tout
Tac, tac et tac. Continuez, mes disciples. Réduisez cette planète en cendres. Déchaînez-vous jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Continuez tant que je n'aurai pas eu ce que je suis venu chercher. Obliterez chaque grain d'herbe, chaque grain de sable, chaque cachette potentielle pour ces pathétiques imbéciles. Qu'ils mentent, trichent et volent tant qu'ils veulent, mais plus jamais. Ils ne me tourneront en ridicule. Ratissez chaque recoin de cette planète. Les secrets de Data Bay seront bientôt à moi. Ma victoire est inéluctable. Nul ne peut m'arrêter. Je réduirai cette planète en poussière et réclamerai mon dû. Mais qui c'est ce type? C'est bien la première fois qu'un aquarium sur pattes me fait flipper comme ça. De toute façon, je compte pas m'attarder pour faire connaissance. Mais pourquoi il est si méchant? Qu'est-il venu chercher sur cette planète? Et je pourrais pas vous le dire, parce que j'en sais rien. Oh. Ah non, mais ça l'a pas tué. Mais par contre, ça fait du dégât. Mais pourquoi? Pourquoi il y a des ralentissements? Pourquoi il y a des freeze aussi quand on a ce genre de choses? Ça aussi, why? Que c'est dommage, que c'est dommage. J'aime pas ça quand il se téléporte à côté de moi. Elle a encore attiré chemin. Oh non, on sait qu'on reprend, on reprend ici, tout à fait. Ah non, mais c'est bon, on fait déjà un lit. Nul ne peut s'opposer au courroux de l'armée des abysses. Donnez-moi ce que je suis venu chercher et j'abrégerai vos souffrances. Oui, mais non. Nous, on n'est pas comme ça. Pourquoi j'ai pas joué comme ça tout à l'heure? On va savoir. Ok, journal de bord 2309. Je viens d'assister à un phénomène tout bêtement surprenant. Les océans de Data Bay semblent monter et se retirer en rythme. Le mouvement est d'une précision remarquable. J'en suis resté bouche bée. Les autochtones appellent ceci la marée. D'après mes calculs poussés, j'ai réussi à formuler une théorie pouvant expliquer cette marée. Les ondes parcourant la surface des eaux doivent provenir d'un métronome sophistiqué englobant toute la planète, je vais y arriver, produisant un rythme constant répercuté sur les océans. Je sais que tout ça semble grotesque, mais c'est la seule explication correspondant à mes trouvailles. Tiens-toi là. Ok. Demi-tour. Demi-tour, demi-tour, demi-tour. C'était chaud. Et en parlant de chaud, voilà, frisotti. Ah, pas de frisotti, mais alors, c'est quand tu veux le jeu. Hein. Limite, mais pas de frisotti, hein. Ce serait bien. Ouais, il y en a. Ok. Encore une fois, parce que pourquoi pas. Encore un petit tour en bateau. Attends. N'oublions pas ça. Encore du snake. Schlick, schlack, schlouk.
Voilà, j'ai raté mon coup. Pourtant, c'est pas compliqué, mais... Putain ! Voilà, c'est du super, enfin, je crois. Excès, ça se présente mal. Nos artilleurs se font descendre l'un après l'autre. Non, 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 non. On doit atteindre le point Ico. On est touché. Je répète, on est touché. Si ça continue, Exé, le point Echo n'existera plus quand vous y arriverez. Mais si, on arrive, là. Ouh, on est ici. Ouh. On a besoin de votre aide. Vite. Notre canon anti-aérien est juste là. Tu parles d'une armée. C'est bidasse, nous savons même pas se défendre. Ouais, vraiment, bande de nuls. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Gipset. Attends. On va d'abord récupérer tout ça. Ça fait du petit point à qui fait plaisir. Et j'ai l'impression qu'on peut aller tout droit. Hein ? Tu sais utiliser ce truc ? Je l'ai dit, je suis un professionnel. Ok, Rombot. On va voir si tu arrives à me protéger. Mais regarde un petit peu là, comment j'y vais là ? T'as cru que j'étais là pour niaiser? T'as cru que je me suis dit, tiens, vas-y, je vais prendre mes canons et je vais essayer de faire des trucs. Allez, aller jusqu'au dernier. Je savais très bien qu'en prenant ce canon, j'allais faire un carnage. Plus de ça, on a des munitions infinies, c'est super. Nom d'une puce! D'où est-ce qu'il sort de toutes ces maisons? Ah, et c'est nom d'une puce, attention. Ne le faites pas dire ce qu'il a pas dit. Hein. Par contre, c'est la pire évasion. On va pas faire ça pendant 7 ans, hein. Si. Oupili papa, loudi. Il en arrive sans cesse. On s'en sortira pas vivant. Mais si. Tant qu'on a des munitions et du temps, ça le fera. Sur ta droite! Non! Sur ta gauche! Non! Des deux côtés! Ok. Attends, mais c'est infinissable! Ou pas? Merci pour votre aide, Exé. Mais de rien, cher abruti. Rien de plus normal pour la légende que je suis. J'espère que tout ça en valait la peine. L'ambassadeur vous attend toujours au point Echo. Au vu de la situation, vous aurez besoin de ça. Alors ça, j'apprécie. Oh, une grosse pétoire. J'adore tout ce qui est gros, notamment les grosses pétoires. Allez, donne-moi le flingue. Non, arrête de mendier. Espèce de radin. Écoute, c'est comme ça et pas autrement, hein. Hein, on va pas chouiner pour eux, hein. Enfin, surtout toi, parce que moi je l'ai. Si je le fais de loin. Ah bien. Non. Il y a comme des frise-outils. Même à 400 km d'là où je suis. Ah, mais c'est un truc de fou. Punaise. Enfin. Non, c'est pas la peine. Par là. Non. C'est pas possible. Mes serviteurs, qu'est-ce qui vous prend si longtemps? Anéantissez cette planète avant que je ne m'impatiente! Détruisez tout! Détruisez tout! Putain, ça me saoule! Pourtant, il est sorti il y a quelques jours, là! Pourquoi ça n'a pas été patché? Pourquoi a-t-il fallu qu'il t'envoie au point Ico? Je parie que le point Alpha était beaucoup plus près.
C'est pas du tout comme ça que fonctionnent les opérations militaires. Ah, je déteste la politique. Va, drone volant droit devant. Repousse-les, vite. Attends. Ah merde. Récupère ça! Enfin! Vous aurez constaté que je ne sais vraiment pas viser. Hein. Putain de merde. Je me pose la question, la séquence de gunfight là, de défense de zone, est-ce que c'était quelque chose d'obligatoire ou de facultatif ? Enfin. Ouais. Ah, attends que je l'attrape avec ma pince, le gros poulpe. Il n'a aucune chance contre moi. Moi, je parie sur une victoire du gros poulpe. Pas cool. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec Xe. Tu fais trop le malin, mec, alors que tu dépends de moi. Qu'est-ce que nous avons par là ? Ceci, et puis c'est tout. Oh là là ! Ils sont en train de tout détruire ! On n'arrivera jamais jusqu'au point Echo ! Non, mais ça va aller. On n'est plus très loin. Exactement, je suis d'accord avec lui. Moi, c'est normal, c'est moi qui le contrôle. T'as juste un truc à savoir, Chipset. Tout ce que dit et tout ce que fait Exe, voilà. Faut que tu fasses pareil. C'est pas en tirant à côté que je vais y arriver. Recul de malade. Attends, ça le faisait tout à l'heure. Ah non, quand je vise, ça le fait pas, mais si je tire au jugé. Ah, la blague. Bien joué. On fait une super équipe, non? Ouais, si tu le dis. Ah, c'est moi qui fais tout le boulot, mais bon. Hein. Non. Il y a un petit peu beaucoup de feu, beaucoup d'eau, et du coup, on va se refaire le tout. Ça va. J'ai rien dit. Alors, je vais faire ça. Tac. Ok. Et hop la boum. Bon, on y est ou quoi là? Oh non. Allez, on attend.
Le point écho n'est plus très loin. Ça le fait. Wow, 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 wow. Oui. Je le vois. Je le vois. Ça doit être le point écho. Enfin, on est sauvés. C'est sûr, c'est ça le point écho. Ah, une embuscade. Je savais que c'était une mauvaise idée. Je vais m'en occuper. Je vais me planquer là, moi. Mais pourquoi faut que j'aille là où les tirs arrivent? Et il me faut un refroidissement beaucoup plus efficace au niveau de l'arme, hein, parce que là, la surchauffe, elle est trop vite à temps. Hein. Et je suis pas d'accord. Ça limite grandement mon skill. Je vais y arriver. Hein. Putain, c'est compliqué le soir de faire des VOD. Enfin, surtout pour moi. Il est où ? Ça part vite. Tricheur. Hey. Merci de crever. On attend. Et voilà. Ah, je vais y passer. Ok. Nous nous rencontrons enfin. C'est lui, l'ambassadeur? Il fait plus grand sur les affiches. Venez, partons tant que c'est encore possible. Je vous dois beaucoup d'explications. Nous faisons route vers le vaisseau mère de l'algorithme. Malgré tous nos efforts, Evilware a conquis Data Bay. C'est ballot. C'est vraiment ballot. Parce que c'était franchement très très chouette. Il y avait des gens qui sirotaient des vodkas, ça dansait sur les pistes de danse, ça dragouillait, il y avait du beau soleil, la mer était bien bleue, le ciel aussi, bref. C'est voilà. Moi je dis vengeance, mais plus tard. Bienvenue à bord de mon vaisseau amiral, Robo. Merci d'être venu. Et on sait toujours pas pourquoi. Je sais. Et veuillez m'en excuser. Nous n'avions pas le temps de vous expliquer sur Data Bay. Nous faisons route vers la planète Materia. Il semble qu'Evilware a trouvé ce qu'il était venu chercher. Avant notre arrivée, laissez-moi vous briefer sur votre nouvelle mission. Vous devez comprendre que mon rôle dans l'univers, en tant qu'ambassadeur, est d'apporter la paix, la justice et la liberté à tous les robots vivants sous la bannière de l'algorithme. Et aujourd'hui, j'ai besoin de vous. Et en quoi ça me concerne? Eh bien, si l'on oublie que seul Exe était invité, vous avez vu ce qu'a fait Evilware à Data Bay. Il n'a pas hésité à tout détruire pour se procurer des informations classifiées. Et il est sûrement capable de bien pire. Evilware?
Le type bizarre avec une tête de poulpe? Lui-même. Il y a bien longtemps, Evelware était un grand scientifique au service de l'algorithme. Il a consacré sa carrière à percer le secret du voyage temporel. Ce secret, c'est l'artefact. Cette vieille légende? L'artefact n'a rien d'une légende, Exe. L'algorithme l'a découvert il y a des années. À force de l'étudier, Evelware est devenu fou, percé d'illusions, imprévisible, hostile. Son esprit, aussi malade que brillant, représentait une menace pour l'univers. Alors, au nom de l'algorithme, je lui ai offert un choix. Abandonner ses recherches ou être exécuté. Je me pensais en mesure de l'aider, mais il a préféré voler l'un de nos vaisseaux et s'enfuir avec ses découvertes. J'ai été stupide. Evelware a rejoint une planète hors de portée de l'algorithme. Depuis, il rassemble une terrible armée dans le but de mettre la main sur l'artefact. Et en quoi tout ça nous regarde? Une tronche pareille et il vous a fallu des années pour réaliser qu'il était... méchant. Evelware est déterminé. Il détruira tout l'univers pour se procurer l'artefact s'il le faut. À moins que nous ne l'arrêtions. Nous? Je n'avais pas prévu de vous impliquer, Chipset. Cela dit, votre vaste base de données interne pourrait avoir son utilité dans cette mission. Mais surtout, nous avons là le légendaire Exe, féroce guerrier, pirate d'exception. Je suis sûr que vous ne voulez pas avoir affaire à nous, mais les enjeux sont trop importants. Il nous faut dépasser nos inimitiés. Nous avons besoin de vous, Exe. Ce démon a déclaré la guerre à tout l'univers. Avec votre aide, nous pouvons gagner. Assez ! Rien de tout ça me concerne. Ouais ! Je suis pas à votre service ! Bien sûr que non ! Ce marché n'est pas à sens unique. Si vous m'aidez à empêcher Evelware d'acquérir l'artefact, je vous pardonnerai vos erreurs passées. Vous serez des robots libres. C'est tentant, oui. Mais je peux aussi simplement m'évader de prison. Il va falloir trouver mieux que ça, si je dois risquer ma vie. Très bien. Si c'est de l'argent que vous voulez, vous en aurez plus que vous ne pourrez en dépenser. Après tout, que valent quelques botcoins face au destin de l'univers? Exe, tu veux bien m'écouter? Rien qu'une seconde. Je sais bien que... qu'on ne se connaît pas très bien. Et je sais que tu n'as aucune envie de passer plus de temps avec moi. Mais du fric! Des botcoins à ne plus savoir qu'en faire! Imagine ce que tu pourrais faire avec tout cet argent! Je me fous de l'argent! Je refuse d'être un pantin de l'algorithme. Et je ne travaille pas avec ce drone! Vous ne serviriez pas uniquement l'algorithme, Exe, mais l'univers tout entier. Chacun des robots vivant en paix sous la bannière de l'algorithme. Vous pourriez être l'un d'eux. Le choix vous revient. Allez, Exe! Si tu ne le fais pas pour l'argent ou l'algorithme, fais-le pour... Je sais pas, moi, le bien de tous. L'amitié! C'est pas le sujet. Donnez-moi une seule raison de m'intéresser à tout ça. Ne comprenez-vous pas? Si Evelware atteint son but, l'univers tel que nous le connaissons disparaîtra, et vous avec. Exe, vous êtes notre seul espoir. Ok. Faites disparaître les primes sur ma tête, offrez ma liberté, et arrêtez de me casser les douilles pour le restant de mes jours, et c'est d'accord. Vous voulez juste récupérer cet artefact, rien d'autre. Rien d'autre. Bien. Mais je ne travaille pas pour vous, et vous ne me donnez pas d'ordre. Si je dois le faire, ce sera à ma façon. Tant que vous arrêtez Evelware, vos méthodes ne m'importent guère. Le drone peut vous accompagner. Je suis sûr qu'il sera plus utile qu'il n'en a l'air. Ouais. Tant qu'il reste hors de mon chemin. Oh ! Alors on va le faire ! Ah ah ! Youhou ! Chipset et Exe, les sauveurs de l'univers ! Sympa. Un vaisseau gratos! C'est ce que j'appelle une affaire! C'est l'un des meilleurs vaisseaux de l'algorithme, Chipset. Oh! Alors il est précieux! Je pourrais en tirer un paquet de botcoins! Si vous lui faites ne serait-ce qu'une simple rayure... Est-ce que je vous avais dit que j'aimais bien les musiques?
Moi, franchement, il y a un côté vachement sympa sur le point de vue du visuel. Evalware essaie déjà de se frayer un chemin jusqu'au noyau de la planète. Vous devez l'en empêcher. Je dois retirer mes troupes. S'il détecte ma présence, Evalware comprendra que nous cherchons à l'arrêter. Ne me décevez pas, messieurs. Mais qu'est-ce que... Hé hey, il est parti comme ça. Mais il est toujours devant. Peu importe. J'ai pas besoin que cette tête de brique me surveille de toute façon. Je vous entends toujours par radio. Efforcez-vous plutôt d'esquiver les astéroïdes. Pas de soucis. Ouais, c'est pas super compliqué, hein. Wow! Votre Evalware a vraiment sorti l'artillerie lourde! Oui, c'est pourquoi vous devez neutraliser ces vaisseaux. Vous savez que ce vaisseau est équipé de lasers, n'est-ce pas? Oui, maintenant, oui. Ouais! Donc là, en fait, tu diriges le vaisseau avec le stick de gauche et la visée avec le stick de droite. J'ai deux pénibles robots au niveau de ça. Tant pis pour l'approche discrète. Bonjour, petit vaisseau. À qui appartiens-tu? Je te conseille de quitter ce cadran. Ne vous laissez pas intimider. Maintenez le cap et abattez-le. Vous ne faites pas demi-tour. J'en déduis que vous ne tenez pas à la vie. Alors laissez-moi vous aider. Détruisez-les! S'il te plaît, Exé! Laisse-moi tester les lasers! Mais tu rêves! Aïe, aïe, aïe! Surprise! Je ne suis pas tellement encerclé là. Comme des moustiques sur un pare-brise. Ça marche. On va les semer. Où est-ce qu'ils ont appris à piloter? Tu calmes, j'ai déjà assez de mal à me concentrer. Crachez-vous sur les anneaux, vous avez raison. Ouh, c'est pas passé loin. J'ai porté un grand coup à ces troupes, mais c'est loin d'être terminé. Vous devez détruire ces canons orbitaux avant qu'ils n'anéantissent Materia. Je fais aussi vite que je peux. Hein. Pas touche à mes affaires. Je viens de les faire nettoyer. Régulateur d'énergie, les sphères lumineuses, abattez-les! Ok. Vous avez une idée de ce que ces trucs m'ont coûté? 2,614,721,337 votre coin chacun! Ah, tais-toi!
Clark, Exé, contre machin brillant, laser à volonté. Ah, je l'ai pas fait péter. C'est pas grave. Ah bah non, mais si, c'est grave en fait. C'est pas grave. Allez. Là, c'est la bonne. Enfin, je crois. Là, les régulateurs d'énergie. Les sphères lumineuses. Abattez-les! Vous avez une idée de ce que ces trucs m'ont coûté? 2,614,721,337 Podcoin chacun! Ah, c'est quoi? Là, Exé, contre machin brillant, laser à volonté! Vous n'êtes oh là là, c'était limite! Armée de bras cassés! Même pas si je suis d'abattre un pitoyable vaisseau! C'est quoi votre problème? Abattez-le! C'est good. Là devant. Vous savez quoi? Je m'en fiche. J'ai décidé que ça ne m'atteindrait pas. Moi, Lucie, exploser des vaisseaux, c'est pas mon problème. J'en ai plein d'autres. J'en ai des millions et ils sont tous aussi nuls. Bon travail, messieurs. Vous avez réussi à l'énerver. À présent, ciblez le gros. Non, Pas le gros. Si, le gros. Non, il est indestructible. C'est ce qu'on va voir, Père Moussi, je tire. Tirable boîte de conserve. Arrêtez de tirer. Bravo, ne l'écoutez pas. Attention. Pourquoi, ambassadeur? Pourquoi faut-il toujours que vous ruiniez mes plans? Vous avez perdu la tête, Devilware. Votre obsession pour l'artefact vous a rendu fou. Non! Votre cervelle mazoutée ne comprend rien au véritable potentiel de l'artefact. Merde. La punaise. Oh là là, je sais pas s'il fallait monter ou descendre, et là il fallait descendre, et du coup on est reparti ici. Ah là 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 là, c'est le jour de la marmotte, cette VOD, c'est un truc de malade. Perdu la tête, Devilware. Votre obsession pour l'artefact vous a rendu fou. Non, votre cervelle mazoutée ne comprend rien au véritable potentiel de l'artefact. Là, attends. Ouais, on va dire que c'est bon. Je
Je réduirai cette planète en charpie. L'artefact sera à moi. Du Dieu, Exé, vas-y. Roule-lui donc le pont. Luc 2. Cherchez-vous encore à dérober ce qui m'appartient, ambassadeur? Vous... vous avez voulu m'abandonner pour voler l'œuvre de ma vie? Mais bientôt... oui, bientôt j'aurai ma vengeance! Bientôt, je serai le seul maître du temps! Monseigneur... quoi? Nous avons déchiffré les données, monseigneur. Nous avons trouvé l'artefact. Il se trouve à la surface de la planète. Les fouilles ont déjà commencé. Oui! Vous comprenez, ambassadeur? Vos efforts n'ont servi à rien! J'ai enfin déchiffré les secrets de Data Bay. Je sais où se trouve l'artefact. Enfin, enfin, je vais accomplir mon destin! Monseigneur, l'artefact, il est protégé par un bouclier incassable. Eh bien, cassez-le! Enfin, pas vous! Vous n'êtes plus en état! Vous verrez, ambassadeur, j'aurai bientôt ma vengeance! Ambassadeur, on est heurté par des débris. On fonce droit sur la planète. On perd de l'altitude. On va s'écraser. Accrochez-vous, Exé. Tenez bon. Attention. Va-t-on survivre au crash? À votre avis? On va s'écraser. Arrête de hurler et accroche-toi. Remonte, Exé. Pitié. Je suis trop pauvre pour mourir. Ambassadeur, on est touché par les débris. On perd de l'altitude. 400 pieds. 300. 200. 100. Exé, répondez. Exé. Chipset, au rapport, Chipset. Exé, Chipset, vous m'entendez? Je vous en prie, c'est pas le moment de me lâcher. Erreur critique du système. 2, 3, 1, 0. Veuillez contacter l'assistance administrative Chipset Crypto. Réveille-toi, Chipset. On va bien. Faut pas en dire autant de votre meilleur vaisseau. Bon, et maintenant? J'ai indiqué l'emplacement de l'artefact sur votre carte. Vous devez l'atteindre avant Evilware. Je crois que vous avez découvert l'équipement de survie. Chaque vaisseau en est pourvu en cas d'urgence. Le grappin devrait faciliter vos déplacements à la surface de Materia. Le grappin, je comprends, mais un lance-missile de survie? Il vous sera très utile en environnement instable, et pour éviter les mines magnétiques de Materia. Alors, prenez-le, il est à vous. Cool! Cool! Ouais, mais je fais comment? J'aime bien l'effet de feu, mais surtout aussi l'effet de fumée. Ouais. Donc oui, je sais pas où c'est qu'on doit récupérer ce qui a été dit. Mais en tout cas, moi les amis, je vais m'arrêter là. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode, enfin cet épisode, cette vidéo. Hein, je vais pas partir dans un let's play. Ou alors oui, on pourrait le faire en let's play, mais peut-être pas en VOD, peut-être en live. En tout cas, moi, très clairement, je vais me répéter, la démo, le début de l'aventure, je l'avais fortement apprécié. Et c'était pareil pour cette VOD, hein, pour ce qu'on a pu y faire. Entre les dialogues, entre le changement de décor, l'action à tout va, le challenge qui était présent, les cinématiques, etc., etc. Non, franchement, puis là, cette phase en vaisseau, c'était très, très chouette. Diversifié, enfin, il y avait tout ce qu'il fallait. Et du coup, bah ouais, forcément, ça me pousse encore plus à vouloir continuer le jeu. Mais est-ce que ce sera fait avec vous ou sans vous?
Et ben, vous me le direz dans les commentaires. Déjà, vous réagirez à ce qui s'est passé. Hein. Je veux avoir votre avis par rapport à tout ce qui s'est passé dans cette VOD. Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que c'est votre genre de jeu ? Est-ce que vous voulez la suite ? Est-ce que vous y avez déjà joué ? Est-ce que lorsque vous avez regardé cette vidéo, vous aviez déjà vu le début du jeu ? Ou est-ce que vous avez regardé comme ça en mode « Ouais, peu importe, je vais regarder puis on verra ça plus tard pour le début ?» Bref, allez-y, soyez pas timide. Bien sûr, comme d'habitude, je vous encourage vivement, si c'est pas déjà fait, à mettre le pouce en l'air afin d'aider la chaîne. Et en plus de ça, pour le référencement, le partage. Et si t'es pas abonné, bah tu sais quoi faire, pareil. Tu t'abonnes, mais en activant la petite cloche. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao, bye bye.